1, 2. Salut, c'est Johan pour le Flip. Là, je vais vous présenter le trophée Flip Créateur. Voilà, c'est-à-dire que nous faisons chaque année un trophée avec des prototypes qui sont étudiés par un jury en fait de professionnels. Et cette année, c'est Mathilde de Gigamic qui est la présidente. Voilà, les jurés ont eu 2 mois pour étudier 150 règles. Voilà, et ils en ont pris que 16, donc à peu près 10%. Voilà. Là, ils sont en train de tester déjà les jeux. Ça a commencé hier, ça finit demain à 16h par rapport au vote. Et donc, on va aller découvrir les jeux. Là, derrière moi, il y a l'espace réflexion et expert. Et on va découvrir les membres du jury en train de tester les jeux experts. Et il y en a certains qui vont avoir mal à la tête, mais ça, c'est... Allez, viens avec moi. Donc ici certains membres du jury qui sont en train de tester et là il faudra quand même garder la vidéo parce qu'on voit Tom Buerchex en train de jouer à un jeu expert. C'est notamment lui qui va avoir risque d'avoir mal à la tête. Voilà, et vous pouvez voir donc Mathilde qui est la nouvelle présidente du jury. Voilà. Ici on a Sébastien Dujardin, Christophe Loire et Guillaume Gigleux de Trick Track. Et on va aller voir Guillaume pour lui poser quelques questions. Vous avez commencé sur le Flip, 150 projets à peu près, et sur ces 150 projets, on en a retenu 4 par catégorie, il y a 4 catégories, donc ça fait en gros 16, hein, 4-4. Voilà. Et puis ensuite, la deuxième partie, ça consiste à faire ce que je fais là aujourd'hui, c'est-à-dire de jouer, comporter nos avis avec les autres membres du jury, jusqu'à sélectionner un par catégorie qui remportera le trophée Flip. D'accord, et c'est quoi la remise des trophées? La remise des trophées, c'est samedi soir, là du côté de l'auditorium, vers le Palais des Congrès. D'accord, c'est à 21h. C'est à 21h, ça tombe bien que tu me le dises, parce que je pense que tu arrives en retard sinon. Très bien, donc. Mais costume et tout, oui, ça va être classe. Nickel, super, j'ai pas mon costume, je viens de gagner. Tu n'avais pas dit que la costume, Sébastien? Oui, okay. C'est pas grave. Voilà. Merci beaucoup. Continue bien. Merci. Et donc là, si tu viens voir, on va voir la réflexion. Il y a un peu embouteillage. Beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui. Hein. J'ai été filmé en plus. En plus, voilà. Et donc, voilà pour les trophées. Il y a une autre tente où il y a les enfants et le divertissement. Et il s'appelle demain soir, comme a dit Guillaume. Aujourd'hui sur le film, on a. Qu'est-ce qu'on a? On a une nocturne jusqu'à minuit. Il doit y avoir des tournois et autres, mais j'ai pas en fait tout bien révisé. Voilà, et demain. Non, mais de toute façon, ils peuvent aller sur le site jeux-festival.com. Jeux-festival.com, c'est ça. Voilà. Et dis-moi, petite question sur les créateurs. Est-ce que le public peut voter pour leurs créateurs? Oui, tout à fait. Il y a deux votes. Le vote du jury et le vote du public. Il faut qu'ils testent au moins soit les 4 jeux d'une catégorie et un vote soit valide. Ok, donc ça se passe place du drapeau. Tout à fait, place du drapeau. Au flic. Voilà. Merci, Johan. Salut. Ciao.